Bonjour, on est là pour un jeu qui s'appelle le Peggle, que vous pouvez trouver dans Nawak Lennon épisode 5 Peggle sur Fantabob Games. Donc je regardais cette vidéo et alors j'ai acheté le jeu. Et alors c'est pas mal. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble plus ou moins. Donc on va cliquer. Alors, je vais créer. Donc là, vous avez une girafe potame, hein, parce que ça. Donc, je vais créer un nouveau personnage que je vais appeler. So. Non, pas Sopapipa. J'ai nom 2. Hein. Hop. On va faire ça. Approuver. Alors. Donc c'est un jeu LOLs, hein. Donc c'est assez con. Donc vous allez, ça coûte 10 € sur Steam. Donc moi j'ai la version anglaise, hein, donc on s'en fiche. Donc alors, vous avez des ballons, des pions rouges, vous avez droit à 10 ballons pour toucher tous les trucs rouges. Et quand vous mettez une balle dans le panier là qui bouge, eh ben vous avez une balle gratuite. Alors là, la barre verte que vous voyez à gauche, là vous voyez, il y a des petites barres vertes. En fait, c'est le score. Et quand toute la barre verte est remplie, eh ben vous avez une balle gratuite. Vous voyez, free ball. Ah, deux free ball là, parce que. Ah oui? Puis maintenant, vous allez voir la chanson. Cent mille, 100 000. Bon. Donc voilà, en fait, il y a une chanson. Et en fait, il y a 10 personnages. Et pour l'instant, le premier, c'est la licorne. Donc, on va faire. En fait, au début, vous allez dire c'est con et tout. Mais en fait, c'est assez marrant. Mais vous allez dire c'est facile et tout, mais après ça devient méga dur et voilà. C'est vrai, c'est con, hein, mais. Donc le jeu s'appelle Peggle, hein, Peggle. Donc je redis, vous pouvez l'avoir sur Steam pour 10 €. Ah, sinon vous le craquez, hein. Oui? 100 000? 100 000? Non! Oh. Comme vous avez pu le voir, ici, il y a 10 000, 50 000 et 100 000 au milieu. Et 10 000 sur les côtés. Et enfin, vous voyez. On va faire le prochain niveau. Donc là, vous voyez les petites boules vertes. Il y a une nouvelle boule. En fait, c'est un Peggle vert et maintenant il y a ça donne un super pouvoir. Donc le super pouvoir de la licorne, vous allez voir, c'est assez con, hein, mais
Vous allez voir, chaque personnage a son propre pouvoir. Et ce pouvoir, il peut servir, hein, ça peut être pratique. Hein. Mais c'est pas le meilleur, quoi. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a Super Guide et là il y a 3 pour faire 3 tours. Vous voyez, là il y a le petit truc en pointillé, ça permet de dire où ira la balle. Enfin, je suppose que vous avez compris. Ah! Oh voyez là, quand les petits points mauves, ça vous donne le double de vos points. Donc c'est mieux de le toucher en premier, toujours. Ah. Fait, c'est Fanta, hein, si vous regardez la vidéo. C'est Fanta qui a dé fait découvrir ce jeu à Bob Lennon. Donc je vous conseille de regarder l'épisode parce que il est assez marrant. Enfin, je trouve. En fait, son pouvoir, il sert à rien, mais il peut quand même servir. C'est quand même. Il est quand même très pratique. Non! Voyez, en fait, il y a 5 niveaux par personnage. Donc, on va voir. Donc, en fait, vous pouvez aussi bouger le truc avec les flèches du clavier. Donc, moi, je préfère faire avec la souris, hein. Panier, le panier! Non! Haut, il y a Super Guide. Hein. Hop. Ouh, c'était beau.
100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Oui! Vous voyez ici, vous pouvez voir au ralenti votre dernier truc. Donc, on va aller au prochain niveau. Donc là, c'est un castor de Blanche-Neige. Multiboule. Alors lui, son pouvoir est de lancer deux balles en même temps. Vous voyez? En fait, il y a un nom spécial à sa sorte de jeu, mais je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais bon. Oh, mince. Non. Donc là, il me reste plus que 4 balles. Pas 10 000, 100 000, 100 000, 100 000. Oh, à 50 000, c'est déjà bien. Et on fait une glissade de la mort. Ah bah c'est raté. J'ai toujours mes 10 balles, hein. Pour l'instant. Donc si vous voulez que je fasse un tuto comment l'avoir gratuitement, mettez-le dans les commentaires. Ou pas, peut-être que je vais pas le faire spécialement si vous le mettez dans les commentaires. Hein. Oh, c'est beau. Attention. Ah non. Non, pas 10 000. Pas 10 000, pas 10 000. Non! Oui, non, non! Allez dans le panier! Oh non! Allez, au moins une, au moins une, au moins... Oh! Ah! Sais pas si je vais savoir tout faire. Ah, j'ai mal, je suis mal parti. Dites-moi si vous voulez que je fasse un tuto sur n'importe quoi, hein.
Je le ferai, je sais pas moi, iPod Touch, Minecraft, jeux, ou des présentations de jeux aussi, ou comment craquer certains jeux aussi, je pourrais faire. Là, je vais rater. Allez, dans le panier, dans le panier, dans le panier. Oui! Dans le panier, dans le panier, dans le panier. Non! Ah, free ball! Oh yeah! Non, non, oui! Moi j'ai toujours la chance comme ça. Non, non! Ah! 100 000! Oh oui! Double des points! Non! Oui! Oui, non! Mais comme vous avez pu voir, j'ai eu double des points, donc ça a fait 2 fois 50 000, donc 100 000, donc ça revenait au même. J'adore cette image. Vous voyez, l'escargot, il sourit quand il voit la coccinelle. Mais la plupart des personnages ne sont pas vraiment humains en fait. Enfin, des animaux quoi. Ils sont pas vraiment. Tous les personnages ne sont pas des animaux. En ce temps, je suis seulement arrivé au cinquième personnage donc. Vous devenez vite accro à ce jeu. Aïe. Oui, oh oui, non. Il m'en reste 3. Ah non. Allez, dans le panier, dans le panier, non. On recommence. Multiboule. Ah, ça c'était beau. Cinq pour cinq boules. C'est possible. Wow. Ouais, ça va être 50 000. Ah, 100 000, 100 000. Non. Non, 50 000. C'est mieux que 10 000, hein. On va se quitter sur ce niveau et ce sera une surprise pour le prochain personnage, hein. On va laisser le suspense. Bah, je sais déjà c'est qui, hein, mais. Wow, c'est beau ça. Ah.
Oh, c'était très beau ça. Magnifique action. Oh, ça c'était pas, c'était moche. Non. Bon, 4 pour 1, 2, 3, 4, 5. C'est chaud. Je joue dangereux. Ça va. Non. J'ai dégagé le passage. Oui! Non! Donc, on va laisser un peu de suspense et on va se dire au revoir pour le prochain épisode. Donc, je vous dis salut et quel est le prochain personnage? Ah.